Là, c'est que la quatrième. Vous avez dit 4. On est plus que 4 quand même. Moi, j'ai une impression de 6-7 dans ma tête. On fait une fois le Carbardoc, une fois le Sakifo, une fois les Franco. Et là, c'est la quatrième. Ok, d'accord. Putain, ouais, mais à un moment donné, je crois qu'on était venu une fois par an aussi, cette impression-là. Mais ouais, on avait peut-être enchaîné, ouais, c'est vrai. C'est l'endroit loin de la métropole où on est le plus venu. Je crois que toutes les personnes qui viennent à la Réunion sont un peu sous le charme et pensent avoir un rapport. On connaît pas bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on est super bien accueillis. Et par le public et par les gens qu'on croise. Non mais attends, nous particulièrement, on le voit dans les messages, dans les commentaires, beaucoup de soutien. Depuis le début ici, on a rempli des salles ici ou des festivals plus qu'en métropole des fois ici. Vrai. Donc ouais, on a un lien particulier. Je sais pas pourquoi la Réunion, les gens ici nous kiffent particulièrement. Et c'est un bonheur. Ouais. J'arrive à la prendre là, ça serait un beau big up. Bah, c'est sur une. La Réunion, elle est là. Il n'y a pas gagné, non, n'est pas sur la photo. Putain, il faut que je. Ouais, mais là, c'est aussi rare que de voir un. Non, il faut que je le fasse, t'as raison. Tu sais que je n'y avais pas pensé. On avait notre DJ. Chez moi. Désolé, on s'organise. Une engueulade, c'est aussi rare que de voir un dodo. C'est un peu cliché, mais c'était aussi pour dire à quel point on voit le vivre ensemble ici, des gens d'origines différentes, de religions différentes qui grandissent et qui vivent, et ça se passe très bien. Je sais pas comment le vivent ou le ressentent les gens d'ici, mais c'est vrai que en métropole, il y a plein de problématiques. Quand tu viens ici, t'as pas l'impression de retrouver ces mêmes problématiques-là. T'as l'impression que le vivre ensemble, il est beaucoup mieux fait ici. Donc à voir, et peut-être qu'il faut analyser l'île de la Réunion, voir comment on peut l'appliquer. C'est peut-être pas la même histoire aussi, mais voilà. Faudra revenir alors, encore. Ah mais non, oui, on revient, c'est sûr. On reviendra encore tant que notre carrière continuera, et même au-delà, on aime vraiment cet endroit et les gens qui habitent. Là, ça fait 4-5 ans qu'on n'était pas venu. C'est la première fois qu'on a autant attendu. On n'a pas aimé autant attendre en fait. Donc on aimerait bien peut-être faire soit un des stades. Je sais qu'Ayam, ils avaient fait un stade ici, c'est ça ? Je crois. Ouais. Ou une grosse salle, ou alors refaire le Sakifo, ou refaire les Franco, mais peut-être l'année prochaine qu'on reviendra déjà. Okay, on va essayer de voir. Les amis, c'était Big Froly, un grand merci à tous les gens de la Réunion, réunionnais, réunionnaises qui nous soutiennent depuis le début. Ce soir c'est complet, donc merci encore de venir nous voir, de encore nous écouter, ça nous touche grave. On dirait pas parce qu'on a l'air fatigué, mais on va tout donner sur scène, on va envoyer, et on espère encore vivre une belle histoire avec vous pendant longtemps, parce qu'à chaque fois on se régale ici. La Réunion, elle est là, les amis. Big up.